All systems are nominal. Players, welcome to Devox Arena. Alors je vous rassure, aucun Scrum Master ne sera maltraité dans ce talk. Et ils sont en train de se dire, mais le gars fait que des cons sur le thème de Star Wars. Alors, pas vraiment, pas exactement. Mais, mes chers collègues, le temps presse. L'Empire intensifie ses attaques contre nos bases, donc si, on est en plein dedans. Et nous avons énormément de mal à aller au secours de nos rescapés. Nous devons admettre que nous avons du mal à nous organiser, c'est pour cela que le Haut Conseil de la Résistance nous demande eh bien, de construire un système informatisé qui va nous aider à constituer des flottes de sauvetage à partir eh bien, des vaisseaux dont on a à notre disposition. Donc pour vous l'expliquer très rapidement, en fait, imaginons qu'on ait 5 personnes à les secourir, on va aller chercher dans notre référentiel de vaisseaux existants qui s'appelle Swappy, tous les vaisseaux dont on a à disposition, et on va s'intéresser à leur capacité de transport de passagers. On va extraire que les vaisseaux qui transportent plus que le pilote, sinon ce n'est pas utile pour aller sauver des gens. Et en appliquant un algorithme très poussé, basé sur de l'IA, on va sélectionner, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de deux ifs. Donc on va sélectionner les vaisseaux, si tu ne fais pas de l'IA aujourd'hui. Donc on va sélectionner les vaisseaux qui permettent d'effectuer la mission de sauvetage. Donc ici par exemple, pour faire simple, je vulgarise, je ne sais pas ce qui claque là-haut là. Ok. Donc, le Faucon Millenium ayant assez de capacité de transport, il est suffisant pour mener cette mission de sauvetage. Donc, on va tout de suite se mettre d'accord, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, sur l'architecture à mettre en place pour construire ce logiciel. Et je vous propose cette architecture-là, l'architecture entière, avec une couche contrôleur, qui demande une couche service, qui dépend d'une couche de persistance. Tout le monde est OK avec ça ? Ouais, y a des gens qui lèvent la main quand même. Vous n'avez pas compris le concept du talk. C'était un piège. C'était pour voir s'il n'y avait pas des infiltrés de l'Empire parmi vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette architecture entière, même si elle est très utile, elle a tendance un peu à mal vieillir. Parce qu'elle a quand même quelques petits problèmes. Déjà, pour vous l'illustrer, si je vous pose la question, où est-ce que se trouve la logique métier là-dedans? Qu'est-ce que vous me répondez? Ah, j'entends service et des fois j'entends partout. Alors oui, ça a été pensé pour mettre la logique métier là-dedans. Mais comme cette architecture n'a pas été pensée pour avoir une isolation bien faite de cette couche service, eh bien la logique métier se trouve liquée partout. Et on va même pouvoir en trouver dans la couche de persistance, dans la couche contrôleur, jusque dans le front-end, et les plus vils des ingénieurs de l'Empire ont tendance à mettre ça dans les procédures stockées. Rigolez pas, je suis sur une mission où on en a 20 000 et je peux vous dire que c'est coton à tester, etc. Enfin, vous voyez bien le problème. Bon, là, je n'ai pas forcément le temps de vous montrer, mais si je cliquais sur ce petit hexagone-là, j'irais sur le code open source dégueulasse d'un de mes collègues qui tourne depuis 10 ans en Node.js, donc il n'était pas aidé. C'est que du troll, c'est pas vrai. Node.js, c'est vachement bien. On est quand même passé à TypeScript, mais bon. Dans son codebase, où en fait, il y avait beaucoup de couplage et il avait tendance à mettre de la logique métier côté couche de persistance. Là, mettre de la logique métier là-dedans, c'est galère parce qu'on ne peut plus faire de test unitaire pour valider notre métier. Il va nous falloir une base, ce qui n'est pas fou. Mais on pourrait croire aussi que le seul problème, c'est cette histoire de leak de la logique métier, mais en réalité, il y a aussi les responsabilités techniques qui liquent partout. Parce que là, on pourrait se dire, la persistance, c'est dans la couche de persistance. Et non. Là, j'ai un autre exemple sur la même codebase où on prépare des requêtes SQL dans le contrôleur. Mais le truc le plus commun qu'on a tendance à voir, et notamment si vous êtes sur du Java Spring Boot, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne font pas de Java? À quelques-uns. Désolé, le live code sera en Java, mais je vais essayer. Enfin, ça ne va pas être spécifique à Java ce que je vais vous montrer. Mais alors, peut-être que c'est des trucs que vous ne voyez pas et vous avez de la chance, mais du côté Java et Kotlin, on a tendance à voir des trucs comme ça.
Donc ici, on est dans un truc qui représente leur objet métier. Donc c'est un vrai code que j'ai pris au hasard sur GitHub. Et là, on voit que c'est annoté par des ORM, notamment ici Hibernate, donc qui permet de dire, bah voilà, ce champ-là, c'est une colonne dans ma base, etc. Donc au passage, c'est du SQL. Mais il y a aussi des magnifiques adjacent properties ici. Et si vous ne savez pas ce que c'est, bah en fait, c'est un autre framework qui s'appelle Jackson qui va vous aider à sérialiser ça en REST. Pour dire, eh ben, ça va s'appeler exercice ID dans ton contrôleur. Donc ça veut dire que là, on a tout couplé au même endroit. Ce qui fait que on va avoir énormément de difficultés bah, à la fois de faire des tests, parce que on va avoir des tests avec plusieurs responsabilités. On va avoir aussi des conflits potentiels de framework qui se collisionnent là-dessus, hein, parce qu'ils vont avoir potentiellement besoin de même dépendance, mais dans des versions différentes. Mais l'autre truc aussi, c'est que ce qu'on voit là, c'est qu'il y a carrément des directives de jointure, là, il y a des join columns, il y a même des directives de... Un peu plus loin, je crois qu'il y a carrément join table ici, en annotation sur les champs en fait, de la couche service. Donc là, si demain vous devez changer de techno de base de données, et que vous passez à du Mongo par exemple, vous n'êtes plus en forme normale 3, vers des colonnes partout, etc., vous avez juste un document, bah ça, vous êtes obligé de le changer. Et comme c'est couplé à votre contrôleur, bah peut-être que ça va péter aussi votre contrôleur. Et pareil, vous passez de REST à GraphQL, bah peut-être que ça va avoir un impact jusqu'à la base. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'il y a énormément de couplage dans la pratique qu'on a de cette architecture. Et souvent, elle est aussi amenée par le fait qu'on a tendance à mettre notre framework structurant partout, c'est-à-dire vraiment dans n'importe quelle couche. Et pour vous donner un petit retour d'expérience sur les problèmes que ça peut vous apporter, quand je travaillais chez Expedia, on a monté un back-end du Spring Boot 1.3 à Spring 1.4, il n'y a plus rien qui compilait. Ça nous a pris un mois pour toute l'équipe à faire en sorte que le soft remarche. Mais là-dedans, en fait, la logique métier n'avait pas changé. On peut se poser la question, est-ce que changer la version mineure d'un framework, est-ce que ça devrait péter? On sait tous que non, mais est-ce qu'en plus, ça devrait nous amener un doute sur la régression fonctionnelle? Bien sûr que non. Et si on va plus loin, ce qui arrive souvent quand on redéveloppe eh bien, des legacy, souvent c'est des legacy quand même qui font le taf, c'est-à-dire qui rapportent de l'argent et la logique métier est bonne. Et ils sont sur des stacks très vieilles, des EJB, des servlets, enfin des trucs comme ça. Et on se dirait, bah, ce serait cool de pouvoir prendre ce qui marche, enfin, ce qui a du sens, ce qui a de la valeur, le métier, l'extraire, à redévelopper tout ce qui est autour, et de faire dans une stack plus neuve, comme par exemple Quarkus et Spring Boot. Est-ce que ça, c'est possible? Non, parce que souvent, c'est très couplé au framework. Donc on voit qu'ici, il y a trop de couplage, et en plus, comme c'est des dépendances en cascade, vous avez une petite erreur de compilation dans la persistance, la couche service ne fonctionne plus, le contrôleur non plus ne compile plus, et là, c'est une réaction en chaîne. Donc je n'ai pas forcément le temps de tout vous expliquer vis-à-vis de tous les problèmes que ça peut vous apporter, mais si vous voulez voir vraiment le code dégueulasse en live, vous pouvez scanner ce QR code, et c'est une université que j'ai fait avec Jordan Nouri et Adrien Joly, qui est le mainteneur, Adrien Joly, d'un projet open source vieux de 10 ans, qui montre en fait tous les problèmes qu'on a au bout de 10 ans avec cette architecture entière, et qu'en plus, on hexagonalifie. Mais là, dans tout ce qu'on a vu, en fait, vous avez bien compris, le couplage amène de la fragilité. Et là, on va voir un pattern qui va nous aider à être moins couplé pour amener moins de fragilité, qui s'appelle l'architecture hexagonale. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'en ont jamais entendu parler? Ok, quand même quelques-uns. Donc, c'est pas grave, je vais vous faire une petite explication rapide au début. Donc, l'idée, c'est de se dire que dans l'architecture hexagonale, on veut sacraliser ce qui apporte de la valeur au métier. Donc, on ne va pas mettre ça partout. On veut mettre ça à un seul endroit pour qu'en plus on puisse faire des tests qui aient qu'une seule responsabilité de tester le métier. Donc on prend toute cette logique métier et on la centralise dans un endroit qu'on appelle le domaine. Et là vous allez me dire, mais Julien, c'est quoi la différence avec le service de tout à l'heure? Bah le nom. Non, en réalité, il y a quand même un truc qui manque, effectivement, parce que la couche service d'avant, elle avait une double responsabilité. Elle testait le métier, enfin, elle avait la responsabilité du métier, et elle avait la responsabilité technique de gérer en fait, les couches plus basses de persistance et de clients web service. Et donc là, ça voudrait dire que si je fais ça, mon domaine est dépend de ma couche technique, la persistance. Donc ça, je vais faire en sorte que ce ne soit plus le cas.
Pour que je puisse avoir un domaine agnostique de la technique et qui dépend d'aucun framework, on va inverser la dépendance ici à gauche pour que ce soit la persistance qui dépend du domaine et pas le contraire. Ce qui fait que là, je vais avoir un domaine qui ne va dépendre de rien d'autre que de lui-même, dans lequel je vais pouvoir eh bien, centraliser la logique métier. Et tout ce qui est technique, je vais le mettre à l'extérieur. La logique métier, ce qu'on appelle la complexité essentielle, c'est la raison d'être de votre logiciel, ce qui apporte de la valeur eh bien, à vos utilisateurs, logique métier. À l'extérieur, c'est la complexité obligatoire, c'est tout ce qui est nécessaire techniquement pour mettre en musique cette logique métier. Donc là, on fait du découplage comme ça, et on va sacraliser en fait les espaces. Et donc dans le domaine, pas de framework. On va pouvoir les mettre à l'extérieur, mais pas de framework. En revanche, on ne va pas réinventer la roue, on peut y mettre des librairies. Cependant, si vous utilisez des librairies, faites attention à bien mesurer votre surface d'adhérence et que ce ne soit pas trop invasif, parce que c'est pareil, si elle devient obsolète, ça aura des impacts sur le domaine. Donc, pourquoi ça s'appelle un hexagone ? Bah, il paraît que si tu te mets d'un certain côté, ce que dit Alice Cockburn, ça ressemble à un hexagone quand tu le regardes sur le schéma, j'ai jamais compris, c'est pas grave. Il faut savoir que le domaine, c'est l'hexagone, l'extérieur, c'est l'infrastructure, et puis voilà. Comment on arrive à isoler notre domaine ? Eh bien, en fait, il est subdivisé, il est protégé par deux couches internes, qui sont l'API et la SPI. Donc, c'est dans le domaine, on a un ensemble d'interfaces. D'un côté, les API sont les interfaces qui définissent les contrats d'entrée du domaine, qui sont généralement les contrats de nos fonctionnalités, et qui vont servir à l'extérieur d'appeler le domaine, comme par exemple ici, notre contrôleur. Ce qui fait que lui, en fait, ne va pas pouvoir polluer mon domaine, parce qu'il est obligé de se conformer aux objets du domaine qui sont utilisés dans cette interface, et donc je n'aurai pas d'annotation JSON, de contrôleur, ou de concept de ressources REST dans le domaine. Ça reste à l'extérieur. Ce qui fait que ça va être plus facile de débrayer ce contrôleur pour y mettre ici potentiellement un résolveur GraphQL. Il y a juste ce côté-là à redévelopper. Cependant, mon domaine il va avoir besoin aussi de données extérieures, hein, parce qu'il ne fonctionne des fois pas tout seul, il va avoir besoin d'une persistance ou d'un web service externe. Et donc là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va définir une autre interface qui s'appelle la SPI pour Service Providing Interface, qui dit, j'ai besoin de services implémentés par l'extérieur, là, mais c'est moi qui donne le contrat. Donc ce contrat dépend que des objets du domaine. Ce qui fait qu'à l'extérieur, on va avoir une couche de persistance qui va implémenter cette SPI et qui va dépendre que des objets du domaine. Donc pareil, vos annotations ORM ne vont pas polluer le domaine. Votre structuration en DAO qui correspond en fait à une table de données SQL ne va avoir aucun impact sur votre domaine. Ce qui fait que ce sera plus facile de passer d'une techno de persistance à une autre. Donc bien sûr, l'API est implémentée par le domaine, hein, parce que c'est des fonctionnalités métiers, et la SPI par l'extérieur. On appelle cette architecture aussi portes et adapters. Pourquoi ? Parce que les interfaces du domaine sont les ports sur lesquels se connectent des adaptateurs qui sont là pour traduire le monde extérieur vers le monde du domaine. Mais je vous propose de rendre ça beaucoup plus concret en faisant une petite partie de live code. Donc, ici, il faut savoir qu'en architecture hexagonale, on commence toujours par implémenter la fonctionnalité dans le domaine, avant de faire le reste. Donc là, disons que je pars de zéro, j'ai qu'un module domaine. Ici, j'ai le descripteur de mon module, donc c'est l'équivalent d'un package JSON si vous êtes en JS ou TypeScript, etc., où je mets les dépendances, et là, les seules dépendances que j'ai dans mon domaine, c'est JUnit et AsserJ, qui sont en fait des frameworks de test, donc c'est OK. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon domaine pour l'instant ? Eh bien, j'ai juste défini une structure qui représente ma flotte. Une flotte, c'est quoi ? C'est une liste de vaisseaux qui vont avoir un nom et une capacité de transport de passagers. L'architecture hexagonale, en fait, ce n'est pas qu'une architecture, c'est aussi une approche. C'est-à-dire que c'est une méthode de développement, enfin surtout en 2024. Ça n'a pas forcément été théorisé comme ça en 2000, mais en 2024, c'est comme ça qu'on l'utilise. Et donc, on va driver ça un peu par les tests, c'est-à-dire qu'on va définir un test fonctionnel qui va se mettre en lieu et en place de notre contrôleur et qui va interagir avec notre domaine. Ce qui va nous permettre de définir le contrat d'entrée de notre domaine. Okay ? Donc, ce test fonctionnel-là, il essaye pour 1050 passagers de construire une flotte. Donc c'est ici qu'on va appeler notre domaine métier. Et on va s'assurer que tous les vaisseaux de cette flotte ont assez de capacité de transport tous ensemble, eh bien, pour transporter tous les passagers,
et s'assurer aussi que chacun des vaisseaux ont de la capacité de transport, parce que les X-Wing qui transportent que les pilotes ne vont pas nous intéresser. Okay ? Donc là, je vais me lancer sur le live code. Je vais tout de suite écrire la manière dont j'attends d'interagir avec mon domaine, quand je suis à l'extérieur de mon domaine. Comment j'aimerais appeler les fonctionnalités de mon domaine ? Mais là, j'aimerais bien un truc qui s'appelle Assemble a Fleet, comme ça, tac, for passengers, et je lui donne le nombre de passagers. Donc ça, je suis déjà en train, par émergence, de définir les contrats avec mon domaine. Ce truc-là qui n'existe pas, donc bah, je vais le créer ici. Je vais lui donner un type parce que bah, on est en Java. Voilà. Et je vais l'initialiser à nul, parce que malheureusement, on n'est pas en Kotlin. Donc, ce truc-là n'existe pas. Il va falloir que je le crée, ce type. Là, on me propose soit classe, soit interface. À votre avis, qu'est-ce que je vais utiliser ? Interface, parce qu'en fait, c'est le contrat d'entrée du domaine. Alors, sachez que de ce côté-là, ce n'est pas grave si vous mettez plutôt l'implémentation concrète. D'accord ? L'interface va vous aider à mieux stubber sans framework le contrôleur, en fait. Ce sera plus facile. Donc là, j'ai créé une interface qui permet de requêter le domaine. Donc, elle va se trouver dans quelle couche d'interface ? Pardon ? Oui, l'API. Donc, API au sens programmatique du terme, hein, c'est... c'est pas l'API web, hein, ça n'a rien à voir avec votre API HTTP. Si vous n'aimez pas API, vous pouvez appeler ça features, c'est pareil. Hein, c'est peut-être même plus idiomatique. Donc je vais créer ça là-dedans, super. Et là, je vais demander à mon IDE de créer le contrat défini ici par son utilisation. Donc on voit que le contrat, c'est d'avoir une méthode for passengers qui me renvoie une flotte, qui est donc un type du domaine, hein, fleet, et qui accepte en entrée un integer, donc un élément du langage. Donc là, on voit bien que j'ai déjà ma forteresse de ce côté-là, parce que je ne vais avoir aucun concept externe qui rentre dans le domaine. OK. Donc, si je reviens là, bon, bien sûr, mon code il n'est pas exécutable, il va falloir que je donne une implémentation concrète que je vais appeler Fleet Assembler. On va implémenter ce truc-là. Fleet Assembler, tac. Donc je vais mettre ça dans le code de prod. Et donc là, il va implémenter forcément le contrat que j'ai défini et devoir avoir une méthode for passengers qui renvoie une flotte. Donc attention, là je vais mettre le code hyper compliqué, bam, de ce que fait cet algorithme. Donc comment je vais constituer mes flottes d'un point de vue métier ? Premier truc, bah, les vaisseaux, je les ai pas. Les vaisseaux, ils sont dans mon référentiel externe qui s'appelle Swappy. Swappy, en fait, c'est une API web en REST. OK, donc il va falloir que je gère l'interconnexion avec ça pour récupérer ces vaisseaux. Ensuite, une fois que j'ai récupéré les vaisseaux de l'inventaire, c'est là-dedans que je vais avoir mon IA qui va me sélectionner mes vaisseaux à partir du nombre de passagers pour constituer ma flotte. Allons-y. Donc, on va aller créer la fonction qui permet déjà de récupérer eh bien, les vaisseaux de l'inventaire. Le truc là, c'est que si j'ai utilisé le vrai Swappy, je serais obligé de faire des appels HTTP. Mais si je fais ça, je serais en train de coupler mon domaine métier avec de la technique. Parce que demain, je pourrais utiliser autre chose que Swappy. Je pourrais utiliser un autre référentiel qui ne fait pas de REST, ou qui ne fait même pas d'HTTP, qui streamerait de la donnée, par exemple. Donc ça voudrait dire que là, j'aurai un impact sur mon domaine si je change de partenaire. Et là, je veux que mon domaine, en fait, il soit agnostique de ça. Je veux, en fait, essentiellement, il a besoin d'utiliser un inventaire, mais l'inventaire, lui, s'il change, la logique métier ne devrait pas changer. Donc je vais créer une abstraction, ici, qui me permet de représenter mes interactions avec ce que je vais appeler un Starship Inventory. Donc voici le contrat que j'attends pour requêter l'extérieur du domaine. OK. Donc ce truc-là, encore une fois, n'existe pas, sauf que je vais en faire cette fois-ci un champ. Je vais l'appeler Starship Inventory. Voilà. Et donc, il va falloir, encore une fois, que je le crée. Classe ou interface ? Comment ? Ah bah non. Ah bah non. Ah mais non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, je veux requêter mon client Swappy. Si je donne une classe, ça veut dire que dedans, je vais appeler vraiment en fait, mon, euh,
mon comment s'appelle je vais mettre de l'HTTP. Mais là, je suis dans mon domaine, je ne veux pas d'HTTP. Donc ça va être une interface. Parce que cette interface, elle va être implémentée par mon client Swapy. Vous avez dit interface ? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pour sûr que vous avez compris. Alors désolé, j'ai un très mauvais retour. Et par contre, cette interface, je la mets dans quoi ? Mais non, mais si, c'est ça. Si, si, là, j'avais entendu. Ok, merci. Alors, bon, il va falloir que je me l'injecte, ça. Hein. Donc, par constructeur, il y a quelqu'un qui va me l'injecter. Et c'est là-dedans que j'aurai, en fait, mon vrai client Swapy. Bon, le contrat ici, il faut que je le définisse dans cet SPI. Donc là, on voit quoi ? On voit que je veux une méthode qui s'appelle Starships qui m'envoie ma liste de Starships. Et en fait, ces Starships-là sont des objets du domaine métier. Donc c'est pareil, de l'extérieur, on ne pourra pas polluer mon domaine. Parce qu'ici, c'est que des objets du domaine. Ok, alors j'ai un tout petit truc à faire qui n'est pas très utile pour vous, qui est de dégager les Starships qui n'ont pas de capacité de transport. Voilà, ce n'est pas très important ça. Et attention, c'est là où je vais vous émerveiller avec ce code qui permet de sélectionner les vaisseaux. Vous n'êtes pas prêts ? C'est un modèle très compliqué. Je rajoute les vaisseaux un à un jusqu'à ce que j'ai acheté de capacité de transport. Voilà. J'ai mes deux ifs là avec un while et puis un... Ah, j'en ai même pas deux, c'est pas de l'IA. Désolé, j'ai survendu le truc. Ok, donc, ici, j'ai normalement toute ma logique métier. On va pas regarder le détail de cette logique métier, c'est pas ce qui est le plus important là. Mais... IntelliJ me dit que j'ai un petit problème, parce que effectivement ici, il me faut une instance de mon Starship Inventory. Comme je ne peux pas lui donner une vraie, il va falloir que je donne un stub. Donc il va falloir que dans mon test, je simule l'interaction avec l'extérieur. Donc je vais définir un référentiel qui est mon liste de Starship. Donc qui est ici, je donne plusieurs vaisseaux bateaux, pas de capacité de transport jusqu'à une grosse capacité. Et puis, je vais donner ça ici, comme un stub, donc à mon fleet assembler. Et donc ça permet de simuler l'extérieur. Donc on va me dire, mais ce n'est pas le vrai truc. Ce n'est pas grave, parce que là, la responsabilité, ce n'est pas de faire un test d'intégration. Ce que je veux ici tester, en fait, c'est toute cette logique qui est ici. Ce n'est pas l'intégration. L'intégration, on la testera plus tard. Et là, on va pouvoir voir que, si j'arrive à retourner dans mon test, que je vais pouvoir exécuter tout ça. Et normalement, on croise les doigts, ça devrait fonctionner. Ouais, ça marche, c'est ouvert. Ah, merci. Vous êtes facilement impressionnable, dis donc. Ça casse pas trois pattes à un canard, ce que j'ai fait. Non, mais merci beaucoup. Donc, si je résume ce qu'on a fait là, on a fait un test fonctionnel qui se comporte comme s'il était le contrôleur. Donc, il appelle le domaine depuis l'extérieur. Le domaine, lui, il définit son contrat qui est Assemble a Fleet. C'est comme ça que tu vas devoir interagir avec moi si tu veux construire des flottes. Assemble a Fleet dépend que des objets Starship, enfin du domaine, ce qui fait que bah, rien va pouvoir polluer mon domaine à partir de la partie gauche. Là. Bien sûr, c'est implémenté par le domaine parce que c'est du métier Fleet Assembler, mais lui, il a besoin des données de l'inventaire. L'inventaire, c'est technique, c'est Swapy. Je crée une abstraction qui dépend que des objets en fait, du domaine. Ce qui fait que je pourrais avoir l'implémentation que je veux derrière et la changer, ça n'aura aucun impact sur le domaine. Et puis pour que mon domaine puisse être testé en standalone, bah, je suis obligé de créer un stub. Voilà. L'étape d'après, vous en doutez, eh bien, ça va être d'ouvrir à gauche. C'est-à-dire qu'on va implémenter un contrôleur pour exposer cette logique métier sur le réseau. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on va, cette fois-ci, il y a un petit peu de boilerplate, donc je vais faire une avance rapide. Voilà, tac, on va charger les modules Maven, c'est tout rouge, c'est normal. Et là, vous voyez que maintenant j'ai un module d'infrastructure. Donc mon domaine, lui, il ne dépend toujours pas du framework que j'ai utilisé qui est Spring. Et en revanche, j'ai rajouté un plugin ici, Maven, qui me permet de vérifier qu'il dépend de rien d'autre que lui-même. C'est l'Enforcer plugin. Je permets juste d'utiliser des frameworks ou des librairies dans les tests.
Ce qui fait que là, si j'importais en fait mon module d'infrastructure, il va péter. Ma veine va me dire, oula, tu fais des imports que tu n'as pas le droit de faire. Sachez que si vous ne voulez pas en faire des modules, vous pouvez en faire des packages et utiliser ArcUnit qui va pouvoir en fait vérifier si vous n'avez pas des imports interdits entre vos packages. Côté infrastructure, c'est là où je vais avoir en fait Spring Boot, parce que c'est lui qui va me créer mes contrôleurs, tout ça, donc je suis très content. Alors bien sûr, mon infrastructure, comme vous voyez ici, dépend de mon domaine, sinon il ne pourra pas l'appeler. Donc là, le but, c'était de créer le contrôleur. Donc ici, j'ai créé un test, oui, parce qu'on fait aussi de l'ITDD. Donc on commence par le test d'intégration. Ici, on fait un post sur l'URL RescueFleet, et je donne un JSON qui est number of passengers à 5, et je dis qu'en retour, je dois avoir un statut à created 201, et un JSON qui comporte un ID, une liste de vaisseaux dont il y a un seul vaisseau, et dont le nom et la capacité, c'est Millennium Falcon, et puis 6 en capacité. Donc là, j'ai défini mon contrat d'API REST. Okay, allons coder ce truc-là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc vous voyez que je suis mappé sur la bonne URL, ça commence bien, je peux faire un post. Et là, j'ai mon RescueFleet request, donc qui est en fait le payload de la requête sérialisée en Java qui comporte number of passengers. Donc vous vous en doutez, ici, il va falloir que j'appelle mon domaine pour pouvoir aller exécuter la logique métier. Donc qu'est-ce que je vais appeler? Oui, c'est ça, c'est l'API, donc c'est assemble a fleet. Donc number of passengers, ça vient de RescueFleet. Voilà, mince, qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, ça vient de RescueFleet request. Et l'assemble a fleet n'existe pas, donc il va falloir que je me le fasse injecter. Donc là, moi, je vais utiliser l'interface, mais comme je vous dis, de ce côté-là, si vous utilisez l'implémentation concrète, c'est pas très grave. Et je vais me le faire injecter par constructeur. Bon, là, ça ne compile pas. Parce qu'en fait, mon contrôleur, il ne s'attend pas réellement à une flotte du domaine. Il s'attend à avoir une response entity de flotte. Response entity, c'est une abstraction qu'amène Spring sur une représentation de réponse HTTP. Donc, vous pouvez là-dedans changer le header, le payload, le code HTTP. Donc, en fait, il va juste falloir que tout ça, je le stocke temporairement et qu'au lieu de renvoyer ici une flotte, j'envoie une réponse entity de flotte qui va me renvoyer en fait une 201 created, ça c'est le location header mais je m'en fiche, et puis je donne une flotte dans mon body, donc il va me sérialiser mon objet du domaine. Là normalement j'ai fait ce qu'il fallait, mais vous voyez que mon IDE râle parce qu'il me dit tu vas pas pouvoir injecter en fait ton assemble fleet. Pourquoi? Parce que généralement, pour que ça marche, il va falloir que sur l'interface concrète ici, donc si vous faites du Spring, vous la notez avec un truc comme add component ou bien add service. Mais ça, c'est des annotations Spring en fait. Si je mets ça dans le domaine, je vais coupler mon domaine avec Spring. Et je n'ai pas envie de ça. Donc ce que font les gens généralement dans ce cas-là pour éviter ça, c'est... désolé pour ceux qui ne font pas Spring. Parce que là, je vais parler très Spring, juste sur cette petite parenthèse. Ils vont nous faire des factory bin dans les configurations. Donc en annotant avec des add bin et me faire des new fleet assembler à la main, ainsi que toutes les dépendances, etc. Moi, je ne suis pas très fan, parce que je trouve que c'est faire la moitié du travail du framework d'injection, donc je préfère faire du component scan. Mais comment faire? Parce qu'au final, on ne veut pas que notre domaine connaisse ces annotations de Spring. C'est simple, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ce soit Spring qui connaisse notre domaine, et pas l'inverse. Et donc, pour que Spring connaisse notre domaine, ce qu'on va faire, c'est que dans mon domaine, j'ai défini des annotations custom, qui vont avoir un double emploi, en fait. Elles sont là pour faire de la documentation, mais aussi permettre à Spring de savoir quels sont les objets du domaine qu'il va pouvoir injecter. Donc, vous voyez ici, j'explique ce qu'est un domaine service, et je donne même une URL pour avoir plus de documentation, mais j'ai aussi la rétention runtime, là, qui veut dire que en fait, les annotations ne seront pas dégagées au runtime, ce qui fait que Spring va pouvoir les scanner. Et ça, tout ça, eh bien, c'est dans mon domaine. Donc, ça permet, comme je vous l'ai dit, de pouvoir documenter. Donc là, je dis à mes amis,
dev de l'équipe, ça c'est un domaine service. Tu ne sais pas ce qu'est un domaine service, c'est pas grave, c'est documenté là, avec une petite URL. Et ça permet à Spring en fait de scanner ce truc-là. Donc comment ? Eh bien, en définissant une configuration, où je lui demande de scanner mes annotations du domaine. Voilà. Donc super. Donc là, en fait, ça veut dire que Spring va être en capacité d'injecter mes objets du domaine dans les contrôleurs Spring. En revanche, il y a un petit truc quand même. C'est que mon Fleet Assembler, là, il a besoin d'un Starship Inventory, que je n'ai pas aujourd'hui. Donc, vous avez deux choix. Soit, en fait, vous faites vraiment l'implémentation de ce truc-là et vous vous lancez sur la partie Swappy. Soit, vous faites comme moi et vous allez le stubber. Ce qui permet de tester, en fait, le contrôleur et le domaine ensemble. Et on verra plus tard Swappy. On va voir qu'il y a un intérêt à faire ça. Donc, là, je vais vous passer le truc parce que ce n'est pas très intéressant. Mais, en gros, je vais réutiliser le stub que j'avais fait dans mon test ici. Voilà. En fait, je vais l'externaliser. Tac. Hop. Je vais préparer le code. Donc, en gros, j'ai créé un truc qui s'appelle Starship Inventory Stub qui va me servir dans mes tests, mais pas que. En fait, ici, je l'ai mis dans mon code de prod. Donc, il implémente mon Starship Inventory, mais c'est un stub. En fait, c'est un fake. Il fait semblant d'être un vrai Starship Inventory. J'ai mis des données qui ressemblent un peu plus à des vraies données, mais ça reste des fausses données. Et je l'ai annoté avec mon @stub ici, qui vient en fait de mes annotations custom du domaine. Donc ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas une vraie implémentation, j'ai ce truc-là. Et je vais le mettre dans mon code de prod, et ça va me permettre de tester, mon contrôleur. Je le lance, et là j'espère que ça va fonctionner. Tac. Ouais, ça marche. Donc là, il est encore vert. Et là, ils applaudissent plus parce que je les ai vannés tout à l'heure. Mais peut-être que vous allez me dire, mais Julien, pourquoi tu mets ça dans ton domaine ? Mais ça me permet de faire ça, en fait. Ça va me permettre d'aller déployer, en réalité, cette application, potentiellement en prod ou en pré-prod. Non. Merci. Donc là, j'ai déployé. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que, en fait, j'ai déployé quelque chose d'utilisable. Ici, je suis sur l'URL, alors je ne sais pas si c'est assez grand. Tac. Je suis sur l'URL Rescue Fleet, je passe Number of Passengers, j'envoie ça. Même si c'est des fausses données, en fait, ça marche. J'ai toute la logique métier qui s'est exécutée. Et ça, c'est une technique que j'utilise chez Expedia. Pourquoi ? Parce qu'on était en train de réécrire notre back-end, parce qu'il fallait le réécrire, malheureusement. Et au moment où on a décidé de le réécrire, il y a les équipes mobiles qui ont dit « Ah ouais, mais nous, dans notre map, on l'intègre votre back-end, là. » Donc on se dit, ah mince, donc on le réécrit en même temps qu'il l'intègre. Donc on a fait un deal avec eux, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est on fait la logique métier, on fait le contrôleur, on vous livre ça. Ils ont pu jouer avec, même si c'est fausses données, ils ont vu tout le flux de comment on gère des allers-retours avec les trains, etc. Donc ils ont pu faire du feedback sur comment ça fonctionnait d'un point de vue métier, même si c'est des fausses données. Ce qui nous a permis, nous, en fait, de paralyser le travail, et en fait, on a fait de la gestion d'aide technique. Voilà. D'être technique parce qu'on n'a pas le vrai client, l'équivalent de client Swappy là. En fait, on n'avait pas les vrais inventaires des trains et on a pu gérer ça plus tard. Il faut savoir que quand on a l'intégration de ce qu'on appelle un GDS qui vous permet de gérer les inventaires de trains à l'époque, ça nous avait pris un mois pour toute l'équipe, ce qui nous a aidé énormément à paralyser le travail. Donc bien sûr, si vous voulez pas, vous n'avez pas des use cases comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre votre stub dans la prod. Mais ça vous permet en fait d'avoir une espèce de mock intelligent en fait de votre service et de le faire utiliser par vos utilisateurs. En tout cas, une partie de vos utilisateurs, parce que ça, c'est des données très limitées. Donc là, si je résume ce qu'on a fait, un test d'intégration sur le contrôleur à la place du test fonctionnel et qui utilise en fait mon domaine. Okay ? Et le stub, je l'ai bougé à l'intérieur du domaine. Bon. C'est pas tout, mais bon, c'est bien de vivre sur des données, des fausses données, pour pouvoir un peu évaluer les choses, mais ce serait quand même cool que là, on ait le truc de bout en bout. Donc là, on va développer notre client Swappy. Mais pour ça, il faut d'abord que je vous présente Swappy. Swappy, c'est un vrai truc qui tourne en prod. C'est une API que vous pouvez tous accéder sur swappy.dev, qui est un référentiel sur l'univers de Star Wars. Il y a plein de trucs, les planètes, les vaisseaux, les véhicules, les personnages. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, en fait, c'est l'URL
qui me permettent de récupérer les vaisseaux de l'univers de Star Wars, et je vais faire comme si c'était mon référentiel de vaisseaux. Donc ça, on va l'intégrer. Et comme tout à l'heure on m'a dit, mais il n'y avait pas Grogu ce matin, là il est là, voilà. Donc, allons-y. Je vais arrêter l'app. On va faire un petit saut dans le temps encore, ici. Parce qu'il y a un petit peu de boilerplate. Voilà. Et ici, je suis sur mon test qui va définir ce que va être mon client Swappy. Mais avant d'aller sur ce test, vous voyez, j'ai un nouveau package là dans mon infrastructure qui correspond à Swappy. Donc c'est là où je vais avoir mon Swappy client. Mon Swappy client, il implémente mon Starship Inventory qui vient de la SPI du domaine. C'est pour ça qu'ici, j'ai la méthode Starships. C'est lui qui va faire tous les vrais appels HTTP, etc. Donc comme je drive ça encore une fois par les tests, hop, il est là. Qu'est-ce que fait mon test? Bah, il vérifie que quand j'appelle Starships sur mon Swappy client, eh bien, je vais avoir ces vaisseaux. En revanche, je ne veux pas que ma CI/CD elle soit couplée avec eh bien, le vrai Swappy en prod. Parce que s'il est instable, ça va me faire péter mes tests, ça va me faire péter ma pipeline. Donc je n'ai pas envie de ça. C'est pour ça ici que j'ai un mock server. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est basé sur WireMock. Ça va me simuler le vrai Swappy et ça va l'embarquer dans mes tests. Donc, j'ai défini comment il devait réagir sur les URL de Swappy. Donc, je dis, quand mon soft doit te faire un get sur cette URL-là, tu me balances ce payload-là, qui est un JSON. Et donc, j'ai capturé les JSON de Swappy. Voilà. Donc, ça me simule Swappy dans mes tests. Il y a un truc là que vous pouvez voir, c'est que Swappy, en fait, c'est un truc qui est paginé. Il y a un next ici. Moi, ça ne m'arrange pas d'être paginé. Eux, ils ont fait ce choix-là, mais moi, je n'ai pas envie de l'être. Et là, comme ça, en fait, comme mon domaine n'a pas été pensé pour être paginé, et qu'il est agnostique en fait, de Swappy, il ne va pas être pollué par ça. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand vos dépendances sont paginées et que vous avez un domaine au-dessus, il va devenir paginé, en fait. Mais si vous n'en avez pas le besoin, pourquoi vous faites ça? Ça, c'est de la pollution. Là, heureusement, ça va être contenu dans mon client Swappy, ça c'est un problème d'implémentation. Mon domaine n'a pas à être paginé, donc il ne sera pas paginé. C'est le premier truc. Deuxième truc, vous voyez qu'ici, les vaisseaux s'appellent Results. Moi ça ne m'intéresse pas, je préfère Starship. Il y a plein d'informations que je n'ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est Name ici, ça match avec ce que j'ai défini. Et Passengers, alors que moi ça s'appelle Capacity. Mais il n'y a pas que ça. En fait, vous pouvez voir aussi que Passengers, c'est un string. Moi, ça ne m'arrange pas. Parce que j'ai envie de me sommer, moi, en fait, les capacités de transport de passagers. String, c'est galère. Et heureusement, en fait, que je suis en architecture hexagonale, parce que ça veut dire que Swappy a décidé que ce soit un string, bah, ce sera dans l'implémentation du client Swappy. Mais quand ça va rentrer dans mon domaine, en fait, ce sera un integer. Ce n'est pas mon domaine qui a besoin de se prendre la tête avec ça. Si je changeais de référentiel et que je passais à un référentiel qui me le fait en int, j'ai pas besoin de changer mon code pour ça. Donc, OK, on va implémenter ça. Ici, hop, dans mon Swappy client, enfin, pardon, je vais vous montrer. Du coup, j'étais obligé de représenter ce qui est une réponse de Swappy. J'ai un next ici qui est un string qui balance la prochaine page et une liste des résultats qui est mon Swappy Starship. Qu'est-ce que j'ai dans un Swappy Starship? J'ai un nom et passengers qui est un string. Donc vous voyez déjà que le modèle de Swappy, ce n'est pas le modèle de mon domaine. Et là, je ne suis pas pollué par la modélisation de Swappy. OK. Là, on va implémenter le client Swappy. Donc ici, on va faire un truc qui gère la pagination. Donc j'initialise sur la première URL. Je récupère la première réponse depuis Swappy à partir de cette URL. Et là, je vais convertir la réponse de Swappy vers des starships du domaine, parce que c'est ce qui est attendu ici, dans le retour. Et puis, je vais itérer à l'autre page. Donc, le get starship from Swappy, qui va me renvoyer une Swappy response, ça, c'est simple, c'est mon REST template, qui est un client HTTP REST, qui va me faire un get sur l'URL et le serialiser dans ma Swappy response, facile. Et la conversion, ici, eh bien, je vais aller chercher les results de la Swappy response, je vais extraire les Swappy Starship
Et c'est là où je vais convertir. C'est pour ça qu'on parle d'adaptateur. Je vais adapter le monde de Swapy vers le monde du domaine. Donc ici, je crée un Starship du domaine à partir du name du Swapy Starship et je vais faire un parseInt qui va me faire une conversion en int du string passengers de la Swapy Starship. OK ? Donc, allons dans le test et voir si ça marche. Là, vous avez intérêt à applaudir. Attention. Attention. Allez, allez, allez. C'est pas hyper rapide, Java. Bon, il y a Spring avec. Ouais, bah, je vous rappelle que même en acceptant ce test-driven développement, on commence par un truc qui est rouge. Non. Mais là, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Regardez l'erreur. Il me dit, ah, mais t'es marrant, toi. Tu me demandes de parser en int un string, mais le string, c'est NA. Je fais quoi ? Ah bah oui, effectivement. En fait, il s'avère que si on regardait un petit peu plus dans le détail ce que nous remonte Swapy, eh ben, la qualité de données n'est pas dingue, hein, parce que là, j'ai NA pour passengers. Et des fois, j'ai unknown aussi. Hein. Et même des fois, en fait, ce qu'il m'envoie, hop, si je vais chercher la deuxième page, c'est un truc avec un séparateur des milliers. Donc, ça, c'est de la complexité de Swapy, encore une fois. Je n'ai pas envie de polluer mon domaine et que c'est mon domaine qui se dit « Oh là là, mais là, il faut que je dégage les trucs et tout. » Tout ça, ça va être géré dans l'adaptateur. Ce qui fait que si je change encore une fois d'implémentation, eh bien, je n'aurai pas à changer mon domaine. Donc, dans le client, attention, là, je vais faire des trucs de haut vol. Je vais faire en sorte qu'on ait plus de séparateur des milliers avec une technique très avancée qui s'appelle Alashlag, voilà, qui me remplace toutes les virgules par des rien, déjà. Et prochain truc, alors là, je vais faire un petit filtre qui va s'assurer que tous mes vaisseaux ont une valide passengers value. Et ma valide passengers value, ce filtre, c'est quoi ? C'est que je vire tout ce qui est NA et unknown. Donc ça, encore une fois, c'est de la charge que n'a pas à faire mon domaine. Hein, ça, c'est de l'adaptation. Et là, normalement, si j'exécute en fait mon test, et là j'espère que ça va marcher. Allez, allez, allez. Pas très rapide. Hein. C'est vert. Ouais, merci. Et là, en fait, maintenant, si j'exécute bien mon application. Effectivement, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un truc de bout en bout. Là, je vais appeler le vrai Swapy. Vous voyez, les vaisseaux ont changé, j'en ai plus. Hein. Ceux-là n'étaient pas ceux que j'avais mis dans mon stub. Donc là, j'ai vraiment un truc de bout en bout. Ce que je ne vous ai pas montré là et que je ne vais pas avoir le temps de montrer, c'est que j'ai aussi un test d'intégration qui va tester ensemble le contrôleur, le domaine et la persistance. Enfin, de bout en bout, dans mon test, enfin, dans mon code de prod. Donc là, si je résume cette étape, en fait, donc un test d'intégration sur mon Swapy client qui implémente mon Starship Inventory, mais Swapy a sa propre représentation de ce qu'est un vaisseau. Donc j'ai mes Swapy Starship avec mes passengers au lieu de capacity chez moi, qui en plus est un string chez eux et qui est un int chez moi. Donc là, en fait, la responsabilité de l'adaptateur, c'est de faire ce qu'on appelle un anti-corruption layer. Il va convertir le modèle de Swapy vers le modèle du domaine, de telle manière à ce que les données du domaine soient toujours valides. Donc on ne se prend pas la tête avec est-ce que c'est NA, unknown, pas de code défensif dans le domaine. Hein. Tout ça est fait dans l'adaptateur. Alors, admettons que j'ai mis ça en prod, et que ça marche bien, mais qu'on a tendance à remarquer que nos rescapés laissent le matériel derrière eux. Parce qu'on n'a pas pensé à avoir de la capacité de transport dans nos vaisseaux. Donc là, on a fait évoluer notre algorithme pour prendre en compte le fait qu'il y a une capacité de transport minimale de 100 000 m3 pour chacun des vaisseaux qu'on sélectionne pour constituer notre flotte. Ce qui a amené, en fait, ici, à faire évoluer nos Starships avec un cargo capacity. Okay ? En revanche, ce cargo capacity, c'est de la tambouille interne. Hein. Donc je le récupère de Swapy, ça me sert à mon algorithme de sélection. Je ne veux pas ça sur mon REST API. Et là, on va dire, mais pourquoi tu nous parles de ça à la fin de ton talk ?
Parce qu'en fait, ici, il y a un truc qui me dérange, j'ai capacity et cargo capacity. C'est pas fou. C'est confus. Pourquoi ça, je le renommerais pas, en fait, passengers capacity. Pourquoi je fais un refactoring comme ça à la fin du talk? C'est quoi l'impact de ce que je viens de faire, à votre avis? J'ai pété mon consommateur. Regardez, je balance le test du contrôleur. Et qu'est-ce que va me dire le test de mon contrôleur? Eh bien, il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il me dit, mais attends, je ne comprends pas. Je m'attendais à avoir capacité dans le JSON, là. Et ce que tu me remontes, c'est un truc avec passengers capacity et cargo capacity, que je ne sais même pas ce que c'est. Donc là, en fait, j'ai cassé mes consommateurs. Et la raison pour laquelle je les ai cassés, c'est parce qu'en fait, mon contrôleur n'a pas de représentation directe d'une ressource. Il sérialise directement le domaine. Donc j'ai couplé mes consommateurs avec eh bien, mon domaine métier. Ce qui fait que si je veux faire des évolutions, bah, à chaque fois, je vais les casser et je vais devoir gérer en fait, la versionning REST dans mon domaine. Ce qui n'est pas fou. Parce que le domaine, ce n'est pas fait pour ça. REST, ça doit rester dans le contrôleur. Donc le versionning REST, la déprécation de champ, tout ça, c'est dans le contrôleur. Donc, ce qui manque ici, c'est que de manière implicite, enfin, ce que j'ai fait là, c'est que de manière implicite, mes ressources REST sont en fait mes objets du domaine. C'est... Alors, des fois, on peut s'aligner, ça va, mais des fois, ça peut vous causer des problèmes. Donc là, en fait, il faut créer une représentation vraiment dans le contrôleur de ce qu'est vos ressources REST. Et là, vous allez voir que ça a un petit peu changé et on finit là-dessus. Ici, j'ai mon contrôleur qui va me renvoyer des fleet resources et plus directement des fleets, donc qui sont des objets en fait de la couche d'infrastructure, qui a une liste de Starship resources. Et là, vous regardez qu'il y a une différence de mapping en fait. Ici, mon Starship, il a qu'un nom et un passengers, mais ma Starship resource, elle a capacity pour être backward compatible avec mes consommateurs. Passengers capacity qui est le nouveau truc, et j'ai un liste de dépréciation ici pour dire à mes utilisateurs, attention, ce truc-là est déprécié, utilise ça à la place. Donc là, j'ai vraiment ma gestion en fait côté contrôleur. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il est important aussi d'avoir vos ressources ici à gauche et faire cet anti-corruption layer. Si vous voyez mon talk qui s'appelle, que j'avais fait ici, REST Next Level, écrire des API web orientés métiers, vous verrez que comment sont structurées mes ressources REST n'ont rien à voir sur les objets métiers de mon domaine. Mais vraiment rien à voir. Donc, la big picture, c'est ça. Et pour finir, je vous remercie. Vous pouvez scanner en fait, le QR code ici pour avoir accès en fait, à mon repository. Et si vous avez des questions, bah, je suis disponible après la conférence. Merci beaucoup.